Idiote. Idiote. The look of love is in your eyes. A look, your smile can't disguise. Bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis à Cannes sur la Croisette, juste en face de l'hôtel Martinez où je viens de parquer eh bien, l'amiral qui est juste derrière moi. L'année dernière, j'étais présent fin août pour simplement la deuxième démarque. Ce que j'avais appelé la deuxième démarque, c'est que j'étais arrivé à la fin où justement les Qataris étaient tous quasiment partis et quasiment toutes les hypercars, les supercars étaient plus présentes sur la Croisette. D'où le titre, la deuxième démarque. D'ailleurs, à ce sujet, je te mets le lien de la vidéo pour que tu puisses comparer avec l'édition d'aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci à toi si tu me suis. Donc, merci pour ta fidélité, merci pour tes encouragements, merci pour ton soutien pour la chaîne et puis qu'on puisse continuer à grandir tous ensemble, n'est-ce pas la famille? Je te rappelle également que si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici. Comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout ça encourage. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va faire un tour tout le long de la Croisette. On va aller découvrir un peu l'ensemble des voitures qui sont ici présentes. Et puis on va partager un petit moment ensemble. Ça va être bien sympathique. Et je te propose de découvrir ça avec moi en vidéo juste maintenant. Allez, on commence cette petite balade sur la Croisette tout juste arrivée. Je me trouve donc au niveau du Martinez. Aujourd'hui, l'amiral va être garé ici pour la matinée. Et on va découvrir un peu les quelques pépites qu'il y a. On commence immédiatement avec ce combo vert, waouh, la fameuse Bugatti Chiron Sport que l'on a spoté la veille sur Monaco avec cette magnifique GT2 RS dans la même configuration carbone et vert. Waouh, ça c'est deux bolides absolument magnifiques et une configuration très originale. On se retourne ici, on a un très très joli Lamborghini Urus. Juste à côté du combo des coverings nouvelle tendance venant des pays arabes où on va retrouver effectivement ces nouveaux coverings avec un délire marbré sur ce Bentayga et sur cette très jolie super fast. Et regardez-moi cet immense 4x4 ici, un G4x4 au carré avec un pack Brabus, du moins quelques composants Brabus, je suis pas sûr que ça soit une prépa Brabus. Absolument ouf, waouh. En redescendant le Martinez, on retrouve ce G700 qui est un monstre absolument dingue. 6x6. Apparemment, on risque de pas en avoir qu'un seul aujourd'hui. On trouve encore une... waouh. Alors, je commence à découvrir les modèles grâce à Flippeux de Rolls-Royce. Celle-ci, c'est le gros modèle avec la grosse calandre, donc je dirais que c'est une fantôme coupée. N'hésitez pas à me corriger, me reprendre avec bienveillance s'il vous plaît si je me suis trompé. N'hésitez pas à me corriger en commentaire d'ailleurs. Encore un autre Brabus, mais ça me semble pas être un G60, je dirais plutôt un G500. Ça ressemble. Après, hop là, on va aller se mettre sur le côté, c'est des fois c'est marrant. Bim. Encore un autre, tu vois. Ah, c'est la fête du Class G aujourd'hui. Regarde, hop là, encore un qui passe. Allez, on va arriver au cœur. Ici, on arrive maintenant devant le Carlton. Et là, c'est parti. Les belles voitures sont ici. Très très belle Ferrari F12 N Largo. Avec un kit Novitec absolument incroyable. Waouh.
Ah ouais, ça je valide complètement. Waouh, ça c'est badass. Le combo Lamborghini de la même couleur ici et ici est absolument incroyable. Magnifique kit Novitech, de très belles jantes. Waouh, en 21. Ah ouais, 22 à l'arrière. Vraiment, là c'est du très très lourd. Hein. Cette magnifique Superfast appartient à YKB sur Instagram si vous voulez découvrir un peu les caisses. C'est ta voiture. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, montre-moi les clés déjà. Lui c'est un killer, je le sens. Allez, on continue. Ça fait plaisir, on rend compte. Attends frère, t'appuies pas sur la voiture, respect quand même. Oh, très beau Urus aussi avec capot carbone. Celle-ci, je l'ai vue aussi. Ah bah tiens, c'est les voitures de AF. Ok. Je sais pas qui c'est. Si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors lui, par contre, il y a un truc très original sur le covering un peu style Tron. C'est que regarde. Merde. Le miroir, t'as un film chrome. Les vitres aussi. Film chromé. Ok. Elle ressemble un peu à la déco de Lambotron. Qui vient d'acquérir une Lamborghini SVJ blanche qui a repris un peu le même délire. Là, on va avoir une nouvelle Rolls. Alors du coup, j'ai encore un peu du mal. 720S. Noir-blanc, c'est vraiment un combo que j'adore avec de très 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 belles jantes. Waouh. Échappement Capristo, frère. Regarde. Ouh là là, ça doit faire beaucoup de bruit. Très joli dropède en blanc. Avec... le petit liseré là que tu as ici là qui est fait à la main, c'est la particularité de chez Rolls, qui est une option assez onéreuse, je me rappelle pas le prix exact. On retrouve un G66, le deuxième, en combo noir, carbone noir, blanc. C'est très original comme véhicule, je sais pas. Ça va être sympa pour aller dans le désert, mais pour circuler dans les rues de Cannes, ça doit être un vrai calvaire. Une Chiron, deux Chirons, une carbone noire, arrière blanc, une blanche, carbone noire. C'est assez incroyable. Et la question du vlog, si tu devais choisir entre la Chiron de droite et la Chiron de gauche, laquelle tu choisirais? Moi perso, c'est tout vu, je choisirais la première des Chirons. Parce qu'avec les étriers bleus, je trouve que ça lui va très très bien. Et puis le C du Chiron en chrome comme ça fait vraiment ressortir la ligne et j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne après avoir vu ces deux magnifiques Bugatti Chiron sur les nouvelles générations. L'avenir de l'automobile, ce sera l'hybride ici avec cette 918 Spider dans une très jolie couleur gris mat. Il manque quelques petits détails de rappel, tu vois, j'aurais fait un petit rappel de jaune moi. Ah bah, sorti avec les étriers là, couleur citron vert, des petits traits ou une petite bande ou quelque chose comme ça. Très belle. Là on va avoir un G au carré, un Brabus une fois de plus, avec une déco biton blanc, noir, séparé de bleu, très très très. Là par contre celle-ci elle est très très belle. Et l'intérieur... Déjà, tu vois, là, pour monter, c'est assez ouf. Mais par contre, l'intérieur bleu, tout capitonné. Ah, c'est insolent. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, entre le Martinez et le Carlton. On a quand même vu de beaux bébés. C'est vrai que c'est à une semaine d'intervalle par rapport à l'année dernière où j'étais venu, à la dernière semaine du mois d'août. Bon, là, quand même, il y a un autre level. Hein. Par contre, on a un volume de classe G assez insolent. Et je rajouterai même une autre question sur les classes G juste après. Puisque là, nous allons maintenant arriver au Marriott. En hypercar pour le moment, 3 Bugatti Chiron, une 918 Spider. Plutôt pas mal. Allez, on va voir ce que nous réserve la suite. Allez, on enchaîne là tout juste au Marriott. Détends-toi, frère. On arrive au Marriott. Lamborghini Urus contre un G4 carré. Frère, franchement, regarde la différence entre les deux. C'est assez dingue. Hein. T'as l'impression que le Urus, il fait une Clio comparé à ce G4. Waouh.
Très joli combo avec le même wrap pour les deux voitures. Et c'est une West. J'arrive pas à le dire. Sur cette très très belle Rolls-Royce avec cette 458 intérieure rouge. Et regardez-moi ce magnifique Cunningham. Cunningham, c'est pas trop la même chose, c'est l'eau. Intérieur orange, j'adore. Un peu couleur Hermès, j'adore énormément la config. Et la Chiron qui était là déjà l'année dernière. Nous sommes pas à 3 mais 4 Chirons sur la croisette cette année. Autant dire que là c'est vraiment la guerre, toujours le même intérieur. J'adore. Ce orange Hermès avec le tunnel de boîte qui est en carbone. La console centrale avec un rappel de carbone et de cuir couleur Hermès. C'est très 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 joli. Regarde, vu d'en haut, c'est encore même plus beau. Très très beau. Là on est dans la sobriété, l'élégance, la classe, de l'hypercar dans toute sa splendeur. Du noir, du chrome et une petite couleur qui flash un peu. Je valide complètement. En plus celle-ci a l'aileron ouvert. Et puis cette bande lumineuse de feu arrière là qui reste absolument magnifique, j'adore. Complet, complet, complet. Je suis fan de la Chiron. Puis ce moteur, W16 frérot. Une petite down. Config sobre. Noir, chrome, intérieur beige. Rien d'extraordinaire. Juste devant la Chiron, une petite down. Simple, efficace, couleur noire. Et là, je me retourne tout juste. Waouh, regarde la taille des gens. Regarde le capot. Regarde la taille des gens à côté. C'est quand même assez grand. Hein. Là, on est sur un G66. Une nouvelle fois, dans une couleur plutôt citron. C'est le troisième. Allez, je vous ajoute la question du vlog. On a vu pas mal de Class G et cette année sur la croisette, on n'a pas un G66, mais on en a trois. Un noir, un blanc et un couleur un peu citron vert comme celui qui est devant moi. Je vous avais dit au début du vlog qu'il y aurait pas mal de questions qui vous sera posées. Du coup, bah là, si demain tu pouvais t'offrir un G66, lequel tu choisirais? Après ce G66, on retrouve ici cette très 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 jolie Aventador dans un bleu magnifique, étrier rouge, jante chromée, combo parfait. Très 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 bon goût, vraiment petite lame en carbone, des petits rappels de carbone mais très 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 discret. J'aime énormément la config. Une nouvelle Aventador avec une couleur plutôt blanc nacré, jante or qui n'est pas tout à fait d'origine, étrier orange avec rappel de l'intérieur en orange, une grosse lame rajouté qui est tout en carbone, vraiment là, waouh. Et le petit trait orange qui se ressouligne assorti aux étriers, assorti à l'intérieur, ça c'est pépite, j'adore. Encore un Cunningham. Avec une nouvelle fois le fameux petit trait à la peinture. Tiens, je viens de rencontrer un abonné, d'ailleurs tu sais à combien coûte l'option là? T'as idée? Non? Ouais. Comment ton prénom? Florian. Florian. Je mets l'Instagram là juste ici. Mister Villemont. Mister Villemont, bienvenue, il est avec sa petite chérie là. Qui se frotte les mains de dire laquelle je vais choisir. Là il y a l'embarras du choix. Hein. Moi aussi j'hésite. Vous aussi? Allez, je vous pose une question. Si vous deviez en choisir une parmi toutes celles-ci là, laquelle vous choisirez? Celle-ci. Celle-ci? Pourquoi? Ah ouais. J'aime bien sa ligne, aérodynamique. Ouais. Puis elle a une jolie préparation, hein. Elle est bien customisée en plus. Yes. Et bah comme quoi vous voyez, il n'y a pas d'âge pour aimer les belles voitures. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut être un petit enfant comme on peut être un senior. On a ces moments magiques qui quand on voit des belles voitures, bah on a les yeux qui pétillent. Et celle-là là, ah là 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 là. Ce combo de jaune que j'ai vu d'ailleurs à Monaco il y a deux jours. Très très belle, super fast. La couleur elle est insolente. Hein.
Et d'ailleurs, je regarde un truc sur les jantes. Je me dis, bah tu vois, entre des jantes mates et des jantes brillantes, bah, finalement, moi je préfère les jantes brillantes. Et je me demande si c'est pas l'une des prochaines modifications qu'on va faire sur l'Amiral. Parce que je trouve que ça ressort beaucoup plus la taille des jantes. Et en plus, ça lui donne un côté beaucoup plus volumineux. Et ça va très très bien avec la couleur jaune. Eh les gars, je vous la mets en commentaire. Une nouvelle question, vous allez en avoir pas mal des questions à répondre en commentaire, donc je compte sur votre participation. Mais que pensez-vous? Vous êtes plutôt jante mate ou plutôt jante brillante? Franchement, le combo, il est quand même hyper insolent. Tu vois, j'aimerais bien cruiser, tu vois, tu mets la femme et les gosses devant, et puis toi, tu cruises dans la très très belle surface qui est juste derrière. Je vais traverser en mode porcasse, je vais me faire insulter, je m'en fous. Regarde. La voiture de famille, la voiture pour sortir le week-end, parfait. La mode cette année à Cannes, c'est les classes G, et on a un nouveau G44 au carré dans un très très beau gris mat. C'est beau. Bon, pendant que j'étais en train de me taper un peu l'affiche sur le choix des Rolls-Royce, puisque je suis encore en mode apprentissage entre une Drophead, une Ghost, une Down et ainsi de suite, j'ai encore un peu du mal. Et j'ai rencontré Florian avec Alix, avec qui on est en train de marcher tranquillement, qui font partie de la famille d'abonnés. Ça fait plaisir. C'est aussi ça qui est magique, c'est qu'on peut se retrouver bah, à la croisette et puis de chill. Exactement. Hein, du coup, on va se diriger ensemble vers le RIS et puis comme ça, ça va être un peu mon mentor aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je reconnais ces trois voitures. Tu sais quoi? Ces trois voitures, hier soir, j'ai tiré un tuning avec elles. Et le Urus, on a bien rigolé. Regarde, je te l'invite à le découvrir. Alors là, pour le coup, franchement, on était parti boire un café et j'étais pas prêt. Mais quand je dis j'étais pas prêt, j'étais vraiment pas prêt. Oh là là, le carbone forgé rouge. C'est monumental. Alors tu vois, j'étais vraiment pas prêt. Oh là là! Carbone forgé rouge, super fast, Mansory Stallone. Bonjour. Peinture un peu candy, un aileron surdimensionné qui est à l'arrière. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, pardon. Regarde-moi ça. Allez, la petite photo. Là, on a une Aventador, mais c'est pas n'importe laquelle. Je vois qu'elle est numérotée 50. Alors, je ne sais pas si c'est une 50e anniversaire. S'il vous plaît, mettez-la moi en commentaire. Allez, une nouvelle photo. Et là, par contre, celle-ci, bah, je sais pas ce que c'est. Et voilà, c'est ici que s'achève cette balade sur la croisette de Monaco. J'espère que tu as pris autant de plaisir que ce que j'en ai pris à te partager ce super moment. Je te rappelle que si t'es pas encore abonné, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout ça encourage. N'hésite pas à t'abonner si le contenu de cette vidéo t'a plu. Mine de rien, l'année dernière, c'était la deuxième des marques. Là, cette année, quand même, l'Eval est quand même au-dessus. Cette année, les couleurs de la croisette, c'est les classes G. Déclinées dans différentes versions, G500, G63, G44 au carré, G66. Bref, le classe G, c'est la voiture. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et puis encore à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.